Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler bien sûr de l'attraction Avengers Assemble Fly Force qui a ouvert ses portes depuis le 20 juillet. Alors comme vous savez justement, j'ai pu du coup le tester en avant-première grâce à les avant-premières passes annuelles Infinity et Magic Plus. Et donc du coup, bah, j'ai déjà pu faire énormément de fois l'attraction Avengers Fly Force. Et d'ailleurs, j'ai même craqué pour le maillot Iron Man de l'attraction Avengers Assemble Fly Force. Et aujourd'hui, les amis, c'est le grand jour. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis, ce que j'en pense. Alors, je vous avais déjà donné un premier avis pour le vlog du Avengers Campus. Mais là, aujourd'hui, je vais vraiment vous dire les points positifs et les points négatifs de cette attraction. Mais avant de vous parler de cette attraction, voici le générique. Donc du coup les amis, comme vous savez, ou pour ceux qui ne savaient pas, il faut savoir que avant l'attraction Avengers Assemble Fly Force, c'était justement l'attraction Rock'n'Roll Roller avec Aerosmith qui avait ouvert ses portes depuis 2002 au Walt Disney Studios jusque début septembre 2019. Où là il y a eu la fermeture pendant 3 ans pour la transformation de l'attraction en l'univers Marvel. Le nom de l'attraction du coup maintenant c'est Avengers Assemble Fly Force, qui veut dire justement en français Avengers Rassemblement Force de Vol, si je me trompe pas. Et du coup ça faisait 3 ans que j'attendais avec impatience pour refaire cette attraction, puisque vous savez, ben, pour ceux qui me suivent vraiment, c'est mon attraction préférée Rock'n'Roll Roller, et donc j'avais très hâte de refaire justement cette attraction en l'univers Marvel. Et d'ailleurs je tiens à préciser que c'est toujours mon attraction préférée, mais c'est pas parce que c'est mon attraction préférée que c'est peut-être une réussite ou justement un échec. Et justement il y avait déjà eu beaucoup de retours rien qu'avant justement les premiers avant-premières pour les passes annuelles. Et les premiers retours les amis, ce n'était pas justement positif. Alors faut savoir que justement avant que j'allais faire justement du coup la nouvelle version de Rogue en univers Marvel, et il y avait déjà des premiers retours des personnes avant même les avant-premières passes annuelles, voire même pas cast member. Et les retours, ils étaient déjà plutôt négatifs. Les personnes disaient que la file d'attente, la façade, c'était incroyable. Mais en ce qui concernait justement le parcours de l'attraction, le ride, c'était insuffisant. Il y avait que 3 écrans, c'était dans le noir complet. Les véhicules, c'est toujours les mêmes. C'est pas les véhicules comme Space Mountain. En tout cas, moi, quand j'ai été du coup pour avant-première, du coup, je me suis déjà dit dans la tête qu'en gros, ça allait pas être exceptionnel, vu qu'il y avait déjà eu beaucoup de retours, beaucoup de déceptions déjà par rapport à cette attraction avant que j'aille à l'avant-première et avant même l'ouverture au public le 20 juillet. Et je vais vous raconter ce qui s'est passé du coup pour moi. Donc du coup j'ai été à l'avant-première Magic Plus, c'était le 17 juillet. Donc voilà, j'ai pris le train, etc. J'étais super content, vous le savez, pour ceux qui me suivaient sur Instagram. En plus j'avais très hâte, c'est mon attraction préférée. En plus j'avais déjà fait une dépression par rapport quand l'attraction Rock a fermé pour la transformation sur l'univers Marvel. J'étais dégoûté. Mais là j'étais super content de retrouver. Donc du coup
me suis précipité vers Disneyland Paris, du coup, direction les studios avec la réservation et tout. J'entre du coup dans la file d'attente d'Avengers Campus, etc. Ça y est, j'entre enfin dans le Avengers Campus. J'étais super content et tout. Je voyais la zone. Je dis, oh punaise, Disneyland Paris a fait du beau travail. Parce que c'est vrai que on va pas se cacher, mais la zone, elle est vraiment magnifique. Elle est plus pauvre comme avant. C'est vrai que Disney, ils avaient même dit que, ils avaient avoué que la zone Backlot était très pauvre et tout. Et donc, c'est pour ça que il y avait la transformation univers Marvel. Voilà. Dans tous les cas, il fallait faire vraiment quelque chose pour cette zone. Et donc, du coup, j'arrive vers Palpons, que j'avais très hâte. Et là, il y avait direct un show, vous avez vu dans mon vlog. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est pas grave, le temps qu'il y a le spectacle, je vais aller faire l'attraction Spider-Man, etc. Alors, pour Spider-Man, je vous dirai dans une autre vidéo, à mon avis. Là, on parle plus de Avengers Assemble Flight Force aujourd'hui. Et du coup, une fois que j'ai fait Spider-Man, ça y est, je vais faire Flight Force. Et donc là, déjà, j'étais très content de voir la façade Friday, hein, qui est juste magnifique. Alors, bien sûr, c'est mieux de voir de nuit parce que du jour, tu vois pas vraiment les effets de Friday. Mais tu vois qu'elle est là, qu'elle parle et tout, et qu'elle prévient quand il y a un show, etc. Et donc, du coup, j'entre dans la file d'attente de Avengers Assemble Flight Force. Et déjà, là, on voit qu'il y a de la végétation, que la file d'attente, franchement, elle est bluffante. On s'y retrouve même pas, comparé. J'essayais de me retrouver, justement, par rapport à l'ancienne file d'attente de Rock'n'Roll, du coup. Et franchement, pour le coup, j'ai trouvé magnifique cette file d'attente. Il y a même, du coup, le pré-show avec Iron Man. Et là, par contre, parce que on est censé être un animatronique de dernière génération. Et c'est vrai, je vous avoue que je m'en attendais quand même à plus de l'animatronique Iron Man. Et pour le coup, c'est vrai qu'il est incroyable, hein. C'est vrai qu'il est super beau et tout, voilà. En plus, la voix, c'est vraiment carrément entièrement en français, à part Captain Marvel qui nous parle du coup en anglais. Et moi, je m'attendais quand même à plus de mouvements de la part de l'animatronique Iron Man, puisque Disneyland Paris a pas arrêté de nous dire « Voilà, on va avoir l'animatronique de dernière génération. » Donc, je m'attendais quand même à plus de mouvements et on avait quand même des mouvements mous, je trouvais. Mais après, voilà, franchement, je trouve qu'il est super classe quand même. Et voilà, c'est pas pour ça que je vais enlever quand même des points. Voilà, moi, en tout cas, j'ai trouvé la file d'attente magnifique. Même l'embarquement, même s'il y en a qui disaient que l'embarquement se faisait vide. Alors, c'est vrai que je vous avoue, avant même que je critique déjà Avengers Flight Force, c'est vrai que l'attraction ne vaudra jamais Rock, parce que Rock, c'était avec la musique, l'univers, l'ambiance, le démarrage épique, hey, Joe One, c'est vrai que t'avais un truc de fou, des jeux de lumière dans le ride, c'est vrai que l'attraction ne sera jamais supérieure à Rock. Mais en tout cas, moi, franchement, je vous le dis, j'ai adoré. Donc du coup, là, c'était du coup le moment d'embarquer. Et donc, c'est là que j'ai retrouvé, du coup, les anciens véhicules. Alors, moi, j'étais au courant que, justement, on gardait toujours les anciens véhicules, les mêmes harnais. Et d'un côté, j'étais content parce qu'on garde quand même un truc de l'ancienne attraction de Rock. On garde les anciens véhicules, on garde quand même le même parcours, le même ride. Donc, le démarrage toujours épique. Donc du coup, bref, je monte dedans, j'abaisse mon harnais tranquillement et tout, et là, j'avais la pression, j'étais trop content, parce que tu sais que à chaque fois, le démarrage, t'as un moment de stress et tout, parce que t'as un compte à rebours, mais tu sais que des fois, t'as l'attraction qui bug un petit peu, donc à un moment, tu te dis, elle peut démarrer quand même à tout moment, sans même le compte à rebours, donc t'as cette petite pression, mais du coup, t'as l'attraction qui démarre et tout, avec la musique, poum, poum, là, jusque-là, tout fonctionnait, hein, parce que même là, c'était encore incroyable, avec le fameux démarrage que j'ai trouvé exceptionnel avec Iron Man, même si voilà, c'est pas non plus supérieur à Rock, carte avec la musique, sans tracker pour le lancement et tout, mais ça a fonctionné quand même. Donc du coup, t'as Iron Man qui dit voilà, Friday lance l'opération, etc. et tout, et là tu commences, t'as le démarrage, du coup le compte à rebours, 3, 2, 1, et donc là, go, c'est parti le démarrage et tout, là j'étais trop content, j'ai dit oh punaise, ça me fait drôle et tout, et donc enfin, du tunnel, t'as déjà quand même les premiers effets spéciaux avec un écran où tu vois une genre d'éclair et tout, et donc là t'as le looping, qui est toujours là bien sûr. Et là, on voit un premier écran et c'est justement la planète Terre. Donc là, ensuite, on passe le looping. Du coup, on voit Captain Marvel arriver à nos côtés.
Donc là, ça s'enchaîne aussi. Donc ensuite, on voit du coup Iron Man en compagnie du coup de Captain Marvel. Hein, voilà, ça y est, on a avec eux. Et là, là après, le problème, c'est que ça commence à être dans le noir complet. Et c'est là, tu te dis, mince, parce que tu es censé te faire poursuivre par des missiles, parce que voilà, la menace quand même de l'attraction. Alors, j'essaye pas de vous spoiler tout non plus, mais voilà, on est menacé par des missiles qui sont censés détruire quand même la planète Terre. Et donc, la logique des choses, c'est ce qu'on ferait, ce serait de se faire poursuivre par des missiles, désolé les amis, si je parle trop vite. Mais voilà, après, ensuite, on voit, du coup, après le noir complet, on voit du coup Captain Marvel et Iron Man en train de tirer sur les missiles qui essayent de, en gros, de venir sur nous, puisque nous, on est censé faire diversion pour empêcher les missiles de détruire la planète Terre. Donc là, ensuite, après ça, on enchaîne encore de nouvelles sensations. Donc là, t'as Iron Man qui nous dit, en gros, je sais plus si tirer vers la gauche ou fuyez vers la gauche, un truc comme ça. Et donc, on fuit, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'écran. Là, c'est dans le noir complet, le néant, et tu comprends pas parce que tu es censé te faire poursuivre par des missiles et ça aurait été bien d'avoir des missiles qui nous poursuivent et tout. Et voire même une projection télétoile pour te dire que tu es vraiment dans l'espace, mais non, tu es dans le noir complet. Et tu as un moment, tu as Iron Man qui nous dit plongez, plongez. Et c'est là, du coup, c'est la vrille. Et là, pareil, quand au moment où on fait manœuvre de l'équipement, et j'aurais voulu qu'il y avait un écran en plus avec des missiles et tout, qu'on esquive. Mais non, c'est dans le noir complet, malheureusement, la bruit. Ensuite, une fois après la bruit, c'est là que tu vois encore un écran et là, tu vois les fameux missiles. Là, tu les vois bien. Et donc, ensuite, ça s'enchaîne encore dans le noir complet. Et après, tu revois Iron Man tirer. Avec qui tire sur les missiles. Ensuite, tu revois du coup Iron Man avec Captain Marvel en train de tirer du coup sur les derniers missiles, puisque tu as Iron Man qui nous dit attention, il nous en reste un truc comme ça. Et ensuite, c'est la fin de l'attraction. Alors, oui, je sais, il y en a, ils vont dire, mais c'est du chinois que tu nous dis. Oui, l'attraction, malheureusement, le ride, oui, c'est le scénario du le parcours, en tout cas, ouais. Ouais, c'est un peu la douche froide, c'est ce que moi quand j'avais vu déjà en vidéo, avant de faire l'attraction, j'avais vu que c'est vrai que c'était pratiquement dans le noir complet, au lieu d'avoir des vrais effets spéciaux et tout. Mais malgré les critiques qu'il y en a qui disaient qu'il n'y avait que trois écrans, il y a quand même plus d'écrans. Il y a quand même déjà le premier écran du démarrage avec le compte à rebours, où tu vois Iron Man. Le deuxième, au fond du tunnel, là, avec genre d'éclair ou de foudre, un truc comme ça. Ensuite, quand tu passes le looping, t'as la planète Terre. Quatrième écran, Captain Marvel. Cinquième écran, t'as Tony Stark qui est Captain Marvel. Sixième écran, tu vois Captain Marvel et Iron Man tirer sur les missiles. Septième écran, alors c'est après la vrille, c'est quand tu vois du coup les missiles. Et huitième écran, tu vois Iron Man tirer sur un missile. Et neuvième écran, tu revois du coup Iron Man et Captain Marvel tirer sur les derniers missiles. Et le dernier écran, c'est les missiles. Du coup, il y en a, y en a 10. Il y a 10 écrans en tout. Voilà, le nombre d'écrans dans le rail. Donc maintenant, les amis, que je vous ai dit ce qu'il y avait du coup à l'intérieur du rail de l'attraction Avengers Assemble Fly Force, même le nombre d'écrans, etc. Bref. Je vais vous dire mon ressenti, ce que j'en pense. Et moi, clairement, j'ai adoré malgré les déceptions de beaucoup de personnes. Hein, et justement, je vous comprends, vous inquiétez pas. Mais moi, j'ai adoré parce que voilà, pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est mon attraction préférée. J'avais trop hâte de refaire avec. J'ai dû attendre 3 ans, vous savez même pas à quel point j'avais trop hâte. Ce moment, en plus, normalement, c'était prévu l'année dernière, donc j'étais dégoûté que c'était encore repoussé, repoussé, repoussé. Et le fait d'avoir retrouvé déjà l'embarquement, les anciens véhicules et tout, le parcours, j'étais super content, heureux pour vous dire. Et l'audio, moi, j'ai quand même kiffé. Alors, certes, le ride, les écrans, il y en a, j'ai quand même bien aimé. Car je trouve qu'il y a des écrans quand même, ils sont bien intégrés. Mais c'est vrai que moi, ce que j'avais été déçu par rapport à l'attraction, c'est. Moi, j'étais plus déçu, c'est au niveau de l'animatronique quand même, parce que il y a Disneyland Paris qui nous disait, voilà, c'est l'animatronique dernière génération et tout. Donc, je m'attendais à plus de mouvements. J'ai même l'impression que ces 3PO fait plus de mouvements que
l'animatronique Iron Man. Donc voilà. Mais oui, après, sinon, moi j'ai quand même adoré l'attraction. Mais c'est vrai que Disneyland Paris aurait pu faire l'effort de faire une projection cosmique pour dire qu'on est dans l'espace et rajouter plus d'écrans, même s'il y en a 10. De rajouter un écran avant l'abri, un écran après l'abri, justement, pour se dire qu'on se fait poursuivre par des missiles. Parce que normalement, la menace, c'est les missiles. On est censé les voir foncer vers la Terre et nous, on est censé de faire diversion et tout. Donc, les missiles, ils doivent nous poursuivre et bien, et nous, on doit bien voir aussi Iron Man et Captain Marvel en train de tirer sur les missiles et tout. Mais malheureusement, on les voit pas assez en avant, ces fameux missiles qu'on nous dit, hein, qu'on nous explique bien justement dans la file d'attente et tout, que voilà, la menace est imminente quand même. Donc t'as Tony Stark qui essaye d'appeler les Avengers et tout, mais il y en a qui sont occupés, qui sont en train d'affronter telle menace et tout. Donc voilà, donc c'est dommage qu'on les voit pas assez en avant dans le ride, et j'espère que Disneyland Paris, ils font vraiment une mise à jour, et j'espère qu'on n'attendra pas aussi longtemps pour voir cette nouvelle mise à jour. J'espère qu'on les verra bien en avant, ces fameux missiles, et qu'on verra une projection cosmique, une projection d'étoiles pour se dire qu'on est vraiment dans l'espace, parce que je trouve que les étoiles, c'est quand même important pour se dire qu'on est vraiment dans l'espace, comme un peu ce qui a été fait pour les Gardiens de la Galaxie à Epcot ou voir Hyperspace Mountain. Mais là, ouais, c'est dommage parce qu'il y a même beaucoup de personnes qui disent que bah du coup ouais, même Flight Force c'est pire que genre Hyper Space Mountain au niveau du ride. Mais voilà, en tout cas ce qui sauve pour l'instant de Flight Force, c'est oui la file d'attente, la façade, etc. Mais sinon moi à part ça, voilà, comme je vous l'ai dit, j'étais trop content. Je peux vous dire, je l'ai fait énormément de fois. Là j'ai dû faire déjà 30 tours depuis son ouverture, bah depuis que j'étais à l'avant-première. Ouais, j'ai dû faire déjà 30 tours de l'attraction. Spider-Man, j'ai dû faire déjà 10 tours, je crois. Mais Spider-Man, je vous dirai mon avis dans une autre vidéo, vous inquiétez pas. Mais voilà, en tout cas, malgré que voilà, Flight Force n'est pas non plus l'attraction la plus incroyable, c'est pas l'attraction qui battra Crush Coaster. Et Spider-Man ne battra pas, malheureusement, Crush Coaster. Je peux vous dire, actuellement, Crush Coaster, c'est toujours l'attraction légendaire. Oui, j'ai refait même après une fois le Avengers Campus, et je peux vous dire que Crush Coaster, ça reste quand même une expérience l'une des plus incroyables à faire à Disneyland Paris. Mais sinon, Flight Force, oui voilà, donc la déception, c'est vraiment le rail. Donc maintenant, je vais vous dire du coup les points positifs et les points négatifs par rapport à cette attraction. Oui aussi, avant de vous parler des points positifs et points négatifs, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai l'impression, alors j'ai pas refait Space Mountain pour l'instant, depuis que j'ai fait Flight Force. Mais j'ai l'impression que Avengers Assemble Flight Force va plus vite que Space Mountain maintenant. Que avant, pour moi, même avec mes parents, on se disait à chaque fois que Space Mountain allait plus vite que Rock. Il y a juste le démarrage de Rock qui allait super vite, incroyable et tout. Mais là, j'ai l'impression que l'attraction maintenant est plus violente qu'avant. C'est une impression que j'ai. Après, je ne sais pas si vous aussi, vous avez la même impression que moi. Mais j'ai l'impression que oui, l'attraction va plus vite que Space Mountain. Après, voilà, il faut que je refasse Space Mountain pour vous dire vraiment si elle va plus vite ou pas. Donc maintenant, les amis, les points positifs et les points négatifs. Alors, on va commencer par les points positifs. Donc, les points positifs de l'attraction. Bah, franchement, la façade, comparé à Rock, hein, franchement, il n'y a rien à dire. Hein, franchement, c'est incroyable. De nuit, alors moi j'ai vu en vidéo de nuit, pareil c'est magnifique et tout. La file d'attente supérieure à Rock. Alors Rock, ce qui était bien quand même dans la file d'attente, c'était la musique et tout. Mais pareil, je trouve que la musique de l'attraction Flight Force, elle est bien intégrée. Pareil, la file d'attente, il y a beaucoup de petits secrets et tout que je ne vous dirai pas. Voilà, j'ai pas envie de vous spoiler. Ce sera à vous de voir, mais il y a vraiment un beau secret en tout cas dans la file d'attente de l'attraction Flight Force. J'ai pas trouvé le Hidden Mickey pour l'instant. Parce que normalement, dans chaque attraction, il y a un Hidden Mickey. Alors, celui de Spider-Man, j'ai trouvé, mais pas celui de Flight Force. Mais en tout cas, la file d'attente, elle est juste incroyable. Et ça me fait, bah, je pense, même pour tout le monde, ça me fait penser en tout cas à Star Tours. Ce qui avait été dit aussi par beaucoup de personnes. Franchement, même les écrans dans la file d'attente, non. Après, voilà, l'animatronique, pareil, le pré-show, je le trouve super cool. Même l'animatronique, mais c'est vrai que je m'en attendais un petit peu plus quand même de l'animatronique.
Mais voilà, après, je vais pas enlever le point car voilà, je trouve quand même la file d'attente est quand même incroyable et il y a la musique et voilà, t'es quand même dedans donc voilà. Et après, moi pour le coup, l'embarquement, même s'il y en a qui disaient c'était un petit peu vu, bah, moi je trouvais c'est bien, je trouvais c'était quand même tranquille. Avec les petites lumières bleues là, je trouvais ça génial. Et les véhicules, moi je trouve que ils sont super beaux, mieux qu'avant. Alors après, certes, oui, le confort c'est toujours le même, les mêmes harnais, voilà. Et ensuite, ce que j'ai adoré, c'est bah, bien sûr le démarrage de l'attraction épique. Mais voilà, avant d'entamer du coup sur la partie ride, moi j'ai fait un barème, j'ai dit que bah, du coup l'attraction je la noterais sur 20, et le barème c'est une note sur 10 concernant la file d'attente et une note sur 10 concernant le ride de l'attraction. Et moi j'ai réfléchi et j'ai décidé de mettre quand même un 10 sur 10 à la file d'attente de Flyforce car j'ai quand même été impressionné. Et c'est vrai qu'à un moment je me dis, ben mince, on est où et tout, ça va être à quel moment on va embarquer. Et non, j'ai été quand même bluffé de la file d'attente, j'étais dedans et tout. Même si, voilà, j'aurais pu enlever quand même un point ou deux pour l'animatronique de Iron Man parce que c'est vrai que je m'attendais à plus de mouvements, mais voilà, j'ai trouvé quand même que la file d'attente a été incroyable et les cast members jouaient bien leur rôle. Donc je mets un 10 sur 10 à la file d'attente de Flyforce. Du coup, maintenant passons à la partie ride de l'attraction. Alors moi, ce que j'ai aimé, hein, comme vous savez, c'est le démarrage épique avec Iron Man et Friday. Alors bien sûr, oui, ce n'est pas non plus supérieur à Rock, hein. Rock avait plus une grosse ambiance et tout, mais c'était quand même pas mal. J'ai adoré. De toute façon, j'aime toujours la faire autant. Et après ça, bah voilà, on est propulsé. J'ai bien aimé juste avant le looping, il y a un petit effet d'éclair ou de foudre et je trouvais ça pas mal. Et donc juste au moment, bah, pendant la version bah, looping, on voit à un moment la planète Terre, que j'ai trouvé ça cool. Ensuite on voit bah, Captain Marvel à nos côtés, ça aussi pas mal. Et là bah, après malheureusement le problème c'est que c'était le néant. Après on revoit quand même Captain Marvel et Iron Man en train de tirer sur les missiles. Et là j'ai trouvé ça pas mal parce qu'à un moment t'as Iron Man qui nous dit fuyez vers la gauche ou tirez vers la gauche. Non, je pense que c'était fuyez vers la gauche lui. Puisqu'on doit faire diversion. Et j'ai trouvé ça pas mal, j'étais dedans en plus. Et à un moment, t'as Iron Man qui nous dit manœuvre de l'équipement, plongée, plongée. Et ça, je trouvais ça cool. Mais ce qui était dommage, c'est qu'il n'y avait pas d'écran au moment de la bruit, on ne voyait pas les missiles le poursuivre. Et ça, c'était dommage. Après, j'ai bien aimé à un moment, c'est quand même la fin. Je trouvais la fin était quand même bien faite avec les missiles et Iron Man et Captain Marvel en train de tirer bah, sur les derniers missiles. Et voilà. Et après, sinon, bah moi pour le coup, l'audio, j'ai quand même adoré. Même certes, voilà, on n'a pas un audio différent à chaque fois qu'on fait l'attraction comparé à Rock. Voilà. En tout cas, pour les points positifs du ride. Et aussi, ce qui était cool, c'était de retrouver, bien sûr, les sensations de l'attraction. Et pour moi, je pense que l'attraction, elle va plus vite et elle est plus violente. Et c'est ça aussi que j'ai adoré. Voilà. Et aussi de retrouver bah, bien sûr les anciens véhicules, les anciens harnais. Au moins on garde quand même quelque chose de l'ancienne attraction et aussi bah, le parcours. Donc du coup j'ai décidé de mettre bah, pour le rail la note de 5 sur 10 car je trouve que bah, il manque une partie quand même de l'attraction. Donc j'espère que Disneyland Paris fera quand même une mise à jour 2.0 début 2023. J'espère que ce ne sera pas long par contre. Car bah voilà, du coup je vais vous dire les points négatifs. Donc j'ai enlevé 5 points, 5 points, désolé, au côté bah, partie ride car bah, comme je vous l'ai dit, il manque bah, une projection cosmique pour se dire qu'on est vraiment dans l'espace. Il manque des écrans, même s'il y en a 10. Même s'il y a quand même 10 écrans, il manque quand même des écrans au moment de la vrille et avant de la vrille, et avant la vrille. Et même une fois quand on a vu déjà la première arrivée de Captain Marvel, bah, après le looping, il manque quand même, bah, en tout cas, il manque pas mal d'écrans. On est quand même pas mal dans le noir complet. Et c'est ça quand même la déception de beaucoup de personnes. Et moi aussi, je le dis, c'est dommage qu'on ait plus dans le noir. Et encore si Disneyland Paris, ils auraient fait une projection d'étoiles. J'aurais peut-être rien dit, mais là, ils ont
pas mis de projection cosmique, donc et être dans le noir complet pendant tout le ride, c'est pas non plus agréable. Sans compter que je trouvais quand même l'audio, il était quand même pas mal, mais faire une attraction dans le noir complet, en plus 3 ans après quand même de construction, hein, Disneyland Paris, je me demande ce que vous avez fait quand même, hein, pour le ride en 3 ans. Je pense que vous avez quand même plus travaillé pour la file d'attente que le ride. Hein. Pour moi, en 3 ans, le ride était déjà prêt avant, je pense. C'est vrai que en 3 ans, on avait quand même une grosse attente par rapport à l'attraction. Et quand tu vois ce qu'ils ont fait quand même pour le ride, c'est quand même un peu une douche froide par rapport à l'attraction. Et c'est ça qui est dommage. Moi, j'aurais voulu, comme tout le monde, en voir plus. Voilà, j'espère qu'il y aura d'autres ajouts de la part de Disneyland Paris. Après, concernant la file d'attente, si je devrais dire un point négatif, bah moi ce serait par rapport à l'animatronique de Iron Man, car bah voilà, je m'en attendais quand même à plus, clairement, mais à part ça, elle a été quand même incroyable cette file d'attente, et c'est même pour ça que j'ai mis la note de 10, et en plus il y avait quand même la musique et tout, non ouais, voilà, j'étais dedans carrément. Et ce qui est dommage aussi, ce que j'ai pas dit, c'est qu'on n'a plus quand même une boutique une fois qu'on sort de l'attraction, car t'avais quand même la petite boutique de souvenirs de Rock, mais là maintenant t'as que bah, pour acheter les photos, t'as même plus. Ils auraient dû mettre une petite boutique avec les souvenirs de Fly Force, bah, les t-shirts, bah, comme moi quand j'ai acheté le t-shirt de Iron Man de l'attraction Fly Force, mais c'était à la boutique de Spider-Man. Donc voilà, moi en tout cas, la note que j'ai décidé de mettre sur 20. Pour l'attraction Fly Force, et bah j'ai décidé de lui mettre 15 sur 20 car c'est une attraction, bah c'est mon attraction préférée, donc forcément j'adore faire cette attraction plusieurs fois et j'ai déjà fait plus de 30 fois hein, comme vous le savez, et même pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu à chaque fois j'allais refaire plusieurs tours à Fly Force. À un moment il y a même une casse-maman qui disait ah encore encore toi, bah oui bah j'adore dans l'attraction, voilà, hein. J'ai dit allez, de retour pour aller sauver l'humanité en compagnie de Captain Marvel et Iron Man. Et ce qui était bien aussi, surtout, malgré que peut-être le ride c'est quand même une déception, il y a quand même les cast members qui sont au top et il y a les cast members qui nous félicitaient à la fin de l'attraction pour avoir sauvé la Terre. Et genre, ils disaient à chaque fois même merci et tout. Et ça, j'ai trouvé ça super cool. Donc c'est même pour ça que pour moi l'attraction elle mérite 15, grâce aussi un peu au cast member et à la file d'attente et à la façade de l'attraction, car c'est quand même une expérience inédite, mais Disneyland Paris aurait pu faire mieux en tout cas au niveau du ride, car quand même en 3 ans c'est quand même une déception pour le ride. Voilà, mais l'attraction pour moi en tout cas elle vaut quand même son 15 sur 20, car voilà, je le redis, la façade elle est quand même incroyable, la végétation autour, la file d'attente, l'animatronique qui est super beau quand même si je m'en attendais à plus, l'embarquement j'ai bien aimé, l'audio j'ai bien aimé, quelques écrans quand même à l'intérieur du ride, mais voilà, j'aurais voulu en voir plus de missiles, puisque voilà, c'est quand même la menace, on va dire, de l'attraction. Voire même, j'aurais voulu aussi voir une autre menace, pourquoi pas Thanos, un truc comme ça. Mais voilà, en tout cas, c'était les missiles. Et ce qui est dommage, c'est que même si c'est les missiles, la menace, on ne les voit pas assez dans l'attraction. Voilà, j'aurais voulu les voir quand même nous poursuivre, ça aurait pu être fun. Voilà, voilà en ce qui concerne Avengers Assemble Fly Force. Voilà, moi en tout cas, je le redis, je comprends la déception de beaucoup de personnes, justement. Vous pouvez hein, réagir dans les commentaires, dire ce que vous en pensez de l'attraction. Je comprends si vous avez été déçu ou si vous avez adoré l'attraction. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous préférez justement cette version ou la version Rock. Je pense que pour ceux qui ont fait Rock avant, je pense que c'est Rock votre version préférée, j'en suis sûr. Mais voilà, en tout cas, moi j'ai quand même adoré Fly Force. Après, certes, pour moi ça restera Rock, car Rock ça a été quand même l'attraction qui m'a permis de faire bah, tous les manèges à sensations, puisqu'avant j'avais peur toutes les attractions à sensations fortes, tout ce qui est manège à looping et tout. Mais voilà, en tout cas, Fly Force reste quand même mon attraction préférée. Mais ce n'est pas l'attraction la plus incroyable de Disneyland Paris. Pour moi, l'attraction légendaire de Disneyland Paris, ça reste Crush Coaster. Voilà.
Et en tout cas, moi, j'adore toujours faire l'attraction Fly Force et c'est même pour ça que j'ai craqué le maillot. En tant que fan de l'attraction, et de toute façon, je l'ai même dit au cast member hein, que je suis très fan de cette attraction et que j'avais très hâte et que je suis même encore super content et j'ai très hâte d'y retourner la semaine prochaine pour refaire encore plusieurs tours de cette attraction, même si voilà, je le redis, c'est une déception quand même pour le ride. Voilà, c'est quand même la douche froide. Mais voilà, il y a quand même des choses que j'ai bien aimées quand même par rapport à cette attraction, comme la file d'attente, la façade, quelques écrans quand même à l'intérieur du ride, même l'audio quand voilà Iron Man nous dit manœuvre de l'équipement, plongée, plongée, le démarrage épique avec quand même Friday et Tony Stark. Mais c'est vrai que voilà, ça vaut pas rock, rock c'était quand même la musique, même dans la file d'attente, t'étais dans l'ambiance et tout. Même l'embarquement avec le démarrage, c'est vrai. Hey, c'est vrai que c'était épique, ça, je vous le cache pas. Même les jeux de lumière et tout. Et plusieurs audios différents, c'était super cool que là, c'est vrai que bah, dans le noir complet, avec un seul audio, voilà. Mais j'ai quand même kiffé l'audio. Voilà, en ce qui concernait l'attraction Avengers Assemble Fly Force. Voilà en tout cas ce qui est mon avis, donc 15 sur 20. Voilà. Avoir la version 2.0. De toute façon, je pense qu'on en reparlera du coup en 2023 de cette attraction pour dire alors les améliorations de l'attraction, est-ce que c'est mieux ou pas? Voilà, est-ce que peut-être je rajouterai des points de bonus à ce moment-là? Ou pas? Mais en tout cas, la note c'est 15 sur 20. Donc du coup, il y aura une autre vidéo pour Spider-Man. Du coup, une note sur 20. Et ça fera du coup une note sur 40. En tout, il y aura 3 vidéos hein, concernant mon avis sur le Avengers Campus. Donc du coup, il y a cette première vidéo concernant bah, Fly Force. La deuxième qui arrivera, ce sera mon avis sur Spider-Man. Et la troisième vidéo, c'est globalité du Avengers Campus. À part les restaurants, puisque les restaurants, je vais aller tester ça au mois de septembre avec mes parents. Mais voilà, je vous parlerai quand même de la zone et tout, et des personnages. Voilà, en tout cas la vidéo de mon avis sur l'attraction Fly Force. Voilà, Avengers Rassemblement. Moi j'ai trop hâte de refaire encore cette attraction. J'adore. C'est mon attraction préférée, vous le savez. Je suis trop content. Et pour même vous dire, le premier tour quand même de Fly Force, j'ai lâché des larmes. Et j'ai même dit yes, enfin, 3 ans après, je suis trop content. Alors, ouais, c'était quand même cool. Voilà. En tout cas, les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à réagir dans les commentaires, hein, votre avis, hein, surtout pour cette attraction. N'hésitez pas à vous dire aussi vos premiers avis concernant Spider-Man ou voir Avengers Campus directement. Voilà. Et donc, du coup, la prochaine vidéo, on parlera du coup de Spider-Man. Voilà. En tout cas, j'ai décidé de faire cette vidéo de parler Avengers Fly Force en premier, car voilà, c'est quand même une attraction où beaucoup de personnes étaient plus déçues et qu'ils attendaient vraiment un vrai avis. Et donc voilà mon avis. Moi en tout cas, j'adore l'attraction, mais je vous avoue que c'est vrai que c'est pas une attraction incroyable et que c'est quand même une attraction de déception parce que 3 ans quand même d'attente de la part Disneyland de Paris, ils auraient pu quand même faire mieux au niveau du ride. Sans compter que c'est ça en fait, tu comprends pas, parce qu'ils font une façade incroyable, une file d'attente incroyable, l'embarquement, l'audio, j'ai trouvé ça cool quand même. Et même le démarrage, mais oui, après le looping, tu comprends pas ce qui s'est passé. Tu comprends pas, clairement. Voilà, tu te dis quand même en 3 ans pour une rethématisation complète. Et il y en a qui veulent une rethématisation de Hollywood Tower Hotel en Les Gardiens Galaxies. Vous avez vu le résultat? Moi, je suis pas prêt, hein, clairement. Et de toute façon, clairement, pas toucher à la tour à terreur. Attends, Hollywood Tower Hotel. Moi, pour moi, Hollywood Tower Hotel, je vous le dis, hein, c'est un petit peu comme le château la Belle au bois dormant. Pour moi, Hollywood Tower Hotel représente Walt Disney Studios. Donc, j'espère que Disneyland Paris ne touchera pas à la tour. Et de toute façon, s'il touche à la tour, bah, vous verrez le même résultat que Fly Force. Voilà, clairement. Vous avez été déçu de voir la nouvelle version. Bah, voilà ce qui vous attend si vous voulez la rethématisation Les Gardiens Galaxies. Voilà, je pense pas qu'il y aura une rethématisation de la tour à terreur en Gardiens Galaxies. Sinon, il y aurait un faux raccord. Puisque chaque Avengers Campus sont connectés avec les autres, etc. Mais ça veut pas dire que la Tour de la Terreur peut se changer genre en Doctor Strange, un truc comme ça. Mais Gardien Galaxy, pour moi, c'est impossible. Sinon, il y aurait un faux raccord. Mais sur un autre univers, c'est possible. Mais voilà, j'aimerais qu'on garde quand même notre Tour de la Terreur. Voilà, en tout cas, les amis, pour cette vidéo. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine vidéo ou un prochain live. N'oubliez pas, Avengers! Assemble. Fly Force!
I see the grinning smile when my dreams just move along. You've lost the race by